Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 15 avril au 21 avril pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, je, je vous remercie d'être là déjà euh, pour cette guidance de la semaine. Et puis, euh, bah comme euh, je n'ai pas eu beaucoup de réponses, euh, sauf une réponse euh, par rapport au choix entre les oracles et les tarots la semaine dernière. Eh bien du coup j'ai eu une réponse qui me disait qu'elle préférait les tarots. Et euh, puis bah, moi aussi j'aime bien avec le tarot. Donc euh, j'ai gardé le tarot que j'ai complété avec le tarot de l'oracle. Alors euh, je précise aussi que les messages sont pour le collectif, qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde, que vous prenez euh, vraiment ce qui, qui résonne en vous, ce qui correspond à ce que vous vivez en ce moment. Les énergies aussi sont... Euh, comment dire, sa son, son, bouche, c'est pas euh, figé à une semaine pr euh, précise parce que maintenant je demande pour cette semaine-là. Ça peut euh, être des énergies qui vont arriver euh, par après, qui peuvent être déjà passées, qui peuvent être en train, en cours. Voilà. Donc euh, prenez vraiment euh, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si ça vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et dans ce cas, vous pouvez euh, bah, regarder d'autres guidances ou regarder vos, vos signes ascendants. Euh, lunaire aussi pour voir si ça peut être peut-être plus complémentaire ou plus précis ou qui vous parle le plus. Voilà, allez, on va commencer pour vous les béliers. Alors, j'ai pris le Lycir like Starro aussi pour, pour cette semaine. Alors, vous avez le 8 de coupe en énergie d'entrée de semaine avec le 3 de bâton. Votre état d'esprit, le 7 de coupe avec la carte des flammes jumelles, amour inconditionnel, intensité, complémentarité, le monde, avec le 2 de coupe, couple destiné, union, couple existant. En sou, donc en, en objectif. Hein. Euh, oui, c'est votre but. Hein, votre but, votre objectif cette semaine. J'ai oublié de préciser. Euh, votre soutien, ça sera. Votre force, votre soutien, ce sera l'as de coupe avec le 5 de denier. Et. En défi challenge, la tempérance et le 8 de denier. Et vous finissez la semaine avec l'as de bâton et la papesse. Alors, c'est de très, très forte énergie pour vous, les béliers. En même temps, c'est normal. On a une nouvelle pleine lune qui va avoir lieu euh, cette semaine, justement le 20 avril. Encore euh, dans votre signe au tout dernier degré. Donc c'est des énergies très fortes, euh, des, des belles énergies d'opportunités, de possibilités, mais effectivement, il euh, y a des choses à quitter, il y a des choix à faire, il y a peut-être plusieurs possibilités, il y a des cycles peut-être à fermer aussi. Là, vous avez quand même euh, le monde, une arcane majeure, deux arcanes majeures avec l'intempérance, deux as euh, trois coupes. Donc, on est beaucoup dans l'émotionnel. Euh, et du bâton euh, pour l'action. Dans le, les compléments, on a encore du bâton et un petit peu de denier, euh, donc au niveau financier, matériel, et encore de la coupe. Hein. Donc, euh, et encore une arcade majeure avec la papesse. Hein. Clairvoyance, médiumité, savoir secret. Alors, on va commencer avec votre, état, votre énergie d'entrée de semaine. Vous avez le 8 de coupe et le 3 de bâton. Là, il y a une idée de s'éloigner, de, 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 de vouloir peut-être prendre. Euh, bah, d'aller vers. en fait, sortir de la noirceur, sortir de la toxicité, des, de la négativité pour aller vers la lumière, vers la guérison, vers ce qui vous met en joie. Donc, il y a une idée de, de lâcher ce qui ne vous sert plus, euh, de, de lâcher prise aussi. Euh, peut-être aussi, on peut parler d'abandonner quelque chose, euh, de s'éloigner. Voilà. Et avec le 3 de bâton, c'est possiblement pour avancer avec des nouvelles idées, pour euh, peut-être soit vous concentrer sur votre créativité, créativité, mais surtout pour agir différemment, je pense. Euh, ou soit vous allez agir différemment en vous éloignant, en allant vers, vers plus de lumière, plus de joie, euh, plus de, de guérison. Euh, aller vers ce qui vous, ce qui vous convient, ce qui, ce, qui, ce qui vous fait du bien, en fait. Hein. Votre état d'esprit, c'est le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, c'est le flou, c'est les doutes, c'est les, les illusions, euh, les fantaisies, euh, les, les différentes opportunités, c'est aussi l'idée que, que bah, peut-être que sur votre chemin spirituel, sur votre parcours, peut-être de flammes jumelles, puisque c'est complété avec la carte de la flamme jumelle qui parle d'amour inconditionnel, d'intensité, de complémentarité. Alors, soit il y a du doute, du flou dans votre esprit par rapport à une relation, vous vous demandez si c'est votre flamme jumelle ou pas, s'il y a un amour inconditionnel ou pas, euh, est-ce que vous serez complémentaire ou pas, il y a peut-être aussi, vous avez peut-être plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Euh, mais il y a pour moi l'idée du flou, du doute, qui va subsister et qui va peut-être vous ruminer un petit peu cette semaine. Euh, mais en même temps, on vous dit aussi avec cette carte que, que votre parcours, il est. Il est que peut-être vous avez la possibilité entre des choix simples et des choix plus tortueux, plus compliqués, plus difficiles. Mais on vous dit aussi avec cette carte que euh, souvent les choix, euh, les, les parcours avec les obstacles sont plus gratifiants et vous permettent de plus grandir euh, que, que, que de choisir la simplicité. Mais dans tous les cas aussi, si vous avez des choix et que vous avez difficulté à, à faire un choix, euh, ou à avoir, voilà, à, à faire un choix, on vous dit avec la carte de flamme jumelle, Faites le choix du cœur. Parce qu'avec l'as de coupe en soutien avec, et le 5 de denier qui parle de peur de perdre de l'argent, du rejet, de problèmes de travail ou de santé, là on peut aussi parler d'abandon. Donc on, là on peut parler des deux blessures avec le 5 de denier et le 8 de coupe, des blessures de rejet et d'abandon. Donc peut-être que euh, vous avez différentes possibilités, choix et... Peut-être que vous avez du mal à savoir parce que vous êtes peut-être pris dans les peurs liées à votre blessure d'abandon et de rejet ou une les deux. Et en fait, là, on vous dit de suivre le choix du cœur. Euh, de, et que même si euh, on vous dit qu'il n'y a pas de, de mauvais choix, il n'y a que des expériences. Et de toute façon, même si, c'est pas plus ou moins entre guillemets. Euh, on voit mes doigts Ah oui, on voit mes doigts. <laughs> le bon choix, euh, ça sera... En fait, il n'y a pas de bon choix. C est, c est, ça sera toujours le bon choix. Voilà, plutôt, c'est comme ça. Il y a toujours le bon choix. C'est juste de nouvelles expériences à vivre. Voilà. Donc, euh, même si euh, vous ne savez pas si c'est l'amour inconditionnel, la flamme jumelle, ben, y a, le temps vous le dira. Euh, le temps, euh, les expériences. Voilà. Votre objectif cette semaine, c'est... Le monde et le deux de coupe, le couple destiné, l'union, le couple existant. Donc là, votre objectif, c'est d'être dans la joie, dans l'accomplissement, euh, de dans un couple, dans une union. Euh, oui, c'est ça. C'est d'arriver à un accomplissement, à, à avoir beaucoup de joie, de bonheur. Euh, c'est la fin d'un cycle aussi. Peut-être la fin d'une un, union aussi. Hein. On peut parler avec le monde. C'est l'achèvement aussi hein, avec cette carte. Donc euh, voilà. Ou alors euh, s'il y a aussi plusieurs opportunités, on peut parler effectivement d'avoir euh, plusieurs personnes du monde ou, ou, ou de, de, peut-être d'aller voir plus loin, de d'élargir. D'élargir euh, vos, vos possibilités euh, d'union en, en, en allant vers plus de monde, plus de personnes, peut-être même des personnes inconnues. Il peut y avoir ça aussi. En soutien, en, en force, donc vous avez l'as de coupe, hein. l'as de coupe c'est l'amour, c'est le nouvel amour, c'est tout ce qui parle d'amour en fait, c'est tout ce qui vous tient à cœur, il ouais, y, y a la carte là, il y a le, le cœur au centre, c'est aussi se recentrer euh, sur soi, c'est écouter votre cœur, c'est être à l'écoute des messages de votre cœur, de votre âme, c'est revenir à vous et euh, par rapport euh, surtout je pense effectivement par rapport à cette peur de perdre de l'argent, peut-être à un réveil de blessure de rejet ou à un problème de travail, peut-être un problème de santé. Euh, voilà, ce qui va vous soutenir, ce qui sera votre force, c'est l'amour, c'est l'amour pour vous, l'amour inconditionnel pour vous. Premièrement, et puis peut-être pour certains, ce sera un nouvel amour, un renouveau dans une relation, beaucoup d'amour partagé avec les vôtres, avec vos proches, voilà. Et puis, en défi, en challenge, il y a la tempérance et le 8 de denier qui parle de travailler dur, de faire un effort, de prendre un risque. Alors là, votre défi, votre challenge, ce sera peut-être de... Alors, de, de, il va falloir modérer euh, peut-être certaines choses ou certains domaines de votre vie, euh, tempérer, c'est-à-dire trouver un équilibre, une harmonie. Ça, ça va être votre défi, votre challenge cette semaine. Peut-être par rapport au travail, euh, à vos occupations, par rapport au travail. Peut-être aussi euh, modérer un petit peu vos efforts euh, ou euh, vos prises de risques, qui peuvent être peut-être. Peut-être que vous prenez trop de risques. Donc là, on vous dit de tempérer, de modérer, de retrouver un équilibre en vous pour, euh, bah pour, pour peut-être être plus équilibré sur au niveau soit de, de votre travail, de votre activité professionnelle, soit par rapport aux efforts que vous faites. Et que c'est peut-être de trop, il y a peut-être un besoin de, de, de lâcher un petit peu, de, de, de souffler un peu comme ça. Et vous finissez la semaine avec euh, l'as de bâton. L'as de bâton, alors, euh, c'est le nouveau départ, c'est la passion, c'est l'étincelle, on vous dit oui, c'est de nouveau l'enthousiasme qui revient, c'est un projet passionnant, enthousiasmant, on peut parler de relations aussi euh, charnelles, de, de beaucoup de passion, de fougue amoureuse. Euh. Donc ça peut être une nouvelle relation, euh, une nouvelle relation donc qui, qui, qui est très forte, très intense aussi au niveau du cœur, autant du cœur que de la passion, ce qui fait que vous pourriez vous poser la question par rapport à la, à la relation si c'est une flamme jumelle ou pas. Euh, on peut aussi parler avec donc euh, alors justement il y a peut-être vous avez peut-être de fortes il y a peut-être une forte connexion. Euh, avec cette relation forte ou ce, 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 ce nouveau projet aussi passionnant, Il y a, ça peut être dans le, en lien avec la médiumité et la clairvoyance, ou bien des savoirs que vous, que vous avez, des connaissances mais que vous gardez secret pour l'instant. Euh, voilà, vous verrez comment ça peut vous parler, vous me direz peut-être dans les commentaires. Euh, je vous remercie d'avance d'ailleurs pour euh, tous les commentaires, euh, les likes et euh, vos abonnements à la chaîne. Euh, je vous remercie beaucoup aussi euh, pour euh, votre soutien aussi sur les réseaux. Je rappelle que euh, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur euh, TikTok. Voilà. Allez, maintenant je vais recouvrir euh, avec... Enfin, je vais recouvrir, non, je vais demander tout de suite euh, le sentimental. Et puis on va finir par trois petits messages. Allez, on a. Le retour d'ex-partenaire. Oh là, ça saute d'un coup. Euh, flashback. Retour d'une situation. Retour de. Peut-être retour des doutes aussi, possiblement. C'est pas forcément le retour d'un ex-partenaire vraiment. Ça peut être le retour de quelqu'un du passé. Ça peut être le retour d'une situation déjà vécue. Alors, on va enlever cette petite pierre. Alors, message reçu. Donc, alors, possiblement, vous recevez le message, hein, un message qui soit vous rappelle quelque chose que vous avez déjà vécu, soit c'est quelqu'un du passé, parce que bon, arrière on a quand même la rencontre, une nouvelle personne arrive. Euh... Ou alors, ça vous rappelle peut-être quelque chose, cette nouvelle personne ou quelqu'un ou une situation du passé. Alors, on vous parle du temps, il faut rester patient. Liaison discrète, vie double, relation, pensée cachée. Et alors, on en a quatre qui se sont retournés. Choix issu, prendre une décision avec son âme. Et je pense qu'il y a une décision à prendre hein, qui, qui peut être euh, un choix à faire, peut-être de, 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 de vous revoir, de faire cette nouvelle rencontre ou d'aller vers quelqu'un du passé. Euh, voilà, il y a peut-être des secrets, des choses, peut-être qu'il y a une relation euh, secrète, cachée, discrète. Il y a peut-être des choix par rapport à ça. On vous dit d'être patient, de laisser peut-être le temps pour prendre, pour faire ce choix, de rester peut-être dans, de garder pour vous vos, vos questionnements peut-être aussi. Derrière, on a le succès, triomphe, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Homme rival, blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. Alors là, euh, je ne sais pas trop ce que ça veut, nous, ce que ça nous dit de plus. Euh, alors, peut-être qu'il y a de la rivalité, il y a peut-être euh, un homme, euh, un homme ou une autre personne, une polarité masculine, ou de la rivalité euh, au niveau euh, masculin, peut-être plus quand même. Là, on parle quand même d'homme rival, il de... y a peut-être de la séduction, peut-être que cette personne qui revient est très séductrice aussi, parce que l'homme rival, c'est aussi quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction, qui use de son charme, de. Mais c'est quelqu'un qui est blessé, qui a du chagrin, ou c'est cette personne, euh, cette rivalité qui pourrait vous blesser. Allez, les petits messages. Alors, un petit message de votre autre. Qu'est-ce que vous dit votre autre Je te suis reconnaissant, reconnaissante d'exister mon amour. Tu, tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Allez, un petit message des anges. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisir l'amour, pas la peur. Bon, mais là, je crois que c'est clair. C'est juste trois fois qu'on vous le dit. Et un petit dernier avec le petit oracle des couleurs. Vous avez la couleur or. Je cultive mon intelligence. Je la mets au service de nobles causes. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir